people, son plaisir pour nous recevoir. C'est un son plaisir pour nous ensemble, je veux dire. Pour nous ensemble. Bon, oui, ouais. Pour recevoir, je n'ai pas, moi, pas de tout, tout selon moi-même. Et ça veut dire que son ajoulien de Top Gouv là. Yeah. Tu vois, et Top Gouv là, on met les grands seigneurs. Donc moi rentré la donne et premièrement parce que moi mes projets je te l'avais dit et avant que je devine là tu as pu le constater mais c'était l'auditeur moi mes format et type d'interview j'en mène une interview qui est très cool et tu te laisses pas marcher sur les pieds c'est peut-être grande qualité hein, et tu défends tes idées. Et puis deuxièmement tout, et c'est occasion pour moi pour que moi continue le travail de transmission que j'ai toujours fait. Mm-hmm. Depuis l'MDICA à plein temps jusqu'à Radio Galaxy et toute l'autre radio. Et je crois que jeunesse a plus que jamais un besoin urgent et de connaissances sur l'histoire. Et comme nous même domaine pas ces musiques là donc c'est peut-être à travers ça et vérité par le sous-tambour effectivement non seulement analyser et bah il a passé journée jeudi mais a essayé de faire des parallèles entre ce qui a passé jeudi et ça qui était qu'on passait longtemps. Extraordinaire, tout à fait. Nous connaissons que Philippe son est qui est extrêmement occupé non seulement il gère son business Kaya Pipo qui est de manière sélective vous propose des soirées je l'ai bien dit sélective. Et même monsieur Gain aussi monsieur il a d'autres chats à fouetter par exemple il a son show tous les mardis sur Caraïbe FM à compter de 8h du soir et puis monsieur son non seulement il est aussi peintre il est aussi producteur et promoteur son paquet de chapeaux oui Gain oublié malgré ça. Il a oublié de nous faire cinéma tout. Oui, voilà. Bon, c'est un acteur. C'est un acteur. Il n'est pas encore passé au stade de producteur. De réalisateur. Non, réalisateur, nous réalisé trois documentaires quand même. Oui, tout à fait, tu as raison. Nous réalisé trois documentaires, nous réalisé documentaires sur Créole là. C'est pratiquement documentaire ça lancé Créole là, qui était la grande aventure. Nous réalisé documentaire sur Tropicana il y a 2 ans de ça. Et nous fait réaliser documentaire Vivre Compara. Et puis, le projet que nous commençons à travailler déjà à Evans, que nous avons équipé pour le faire plaisir, c'est mon documentaire sur Wakou Petloué. Oh, nice! Que nous commençons à travailler sur lui. Oh, nice! Ouais. Et qui vous a dit ça, ce petit? Sur Wakou Petloué, surtout. Mon cher, un pile monde, les regarde le documentaire Vivre Compara, et puis, on voit que moi, pas mettre trop accent sur Wakou Petloué dans le documentaire. Là. Ok. Et ça choquait un pile monde. Et tandis que c'était voulu. C'était voulu. Et moi, c'est Coupé de l'Oré. Moi-même, je parle de compas direct. Coupé de l'Oré va venir dans la tête, moi, personnellement. Ok. Je dis ça, ça me dit assez ça, non, pour ne pas avoir aucun débat avec personne. Mm-hmm. Mais pour moi-même, ça, Coupé de l'Oré, étape fait, hein, c'est pas compas le dire. Ok. C'est évident qu'il y a quelques musiques Coupé de l'Oré que je trouve qui sont bon compas. Je prends exemple une musique Tako, Femme Coloquette. Ça a son bon compas piqué devant, on prend une gage guitare, toute bagaille. Mm-hmm. Mais quand tu prends l'ensemble de l'œuvre de Coupé de l'Oré, l'on prend Marie-Jocelyne, l'on prend Saucisse, l'on prend Raton et Approche, là, que ce soit l'entraînement basse, là, que ce soit le niveau percussion, yo, et de l'on prend pourtant un cymbale qui a sonné dans Coupé de l'Oré. Donc moi-même, moi, tout dit, là, je parle de compas, je ne parle pas de Coupé de l'Oré, je ne parle pas de Tropicana, je ne parle pas de Septa. Tout à fait. Est-ce que tu vois? Donc, moi, c'est Coupé de l'Oré. Pour moi-même, c'est peut-être une. Pour moi, c'est plus gratiste dans les musiques dansantes, là. Au niveau de la production, mais également au niveau de la qualité. Et Coupé de l'Oré, une musique de qualité qui est profonde, il a un répertoire extraordinaire, son poète de haut niveau, même avec un peu de grivoiserie. La texio mais sont spécialistes de ça nous les métaphores yo. Nous parlons de gentil grivoiserie. Ah oui, de gentil grivoiserie mais monsieur gon métaphorique et de métaphores comme si côté il dit tout bail pour grand monde comprendre c'est comme monsieur gon musique il dit madame et je suis venu vous couper. Je dis non monsieur vous ne pouvez pas vous couper je suis en règle. Tu vois, donc, extraordinaire. Est-ce que c'est. Je suis venu voir couper qui est là. Il dit la musique là, oui. Non, oui, je suis venu pour couper. Je suis venu pour couper. Je suis venu pour couper. Il dit non, mais je ne pouvais pas couper. Je pense que je suis arrivé.
Donc son sens de l'humour extraordinaire, je vois. Alors il s'est fait passer par exemple pour un employé de la DH, de l'IDH, et pour le venir couper courant. Pour le venir couper courant. Et puis je suis venu pour couper. Donc, ou pas qu'à dire qu'il fait grivoiserie. Non, je ne suis pas qu'à. Ça veut dire que l'on prend une musique tant qu'au saucisse, tu vois. Et l'autre. Expliquez-nous un petit peu son pensée de saucisse là. Jusqu'à présent, il y a des zones d'ombre là-dedans. Bon, monsieur, c'est voulu que il y ait des zones d'ombre dans la donne, mais si j'aime Zolia, ces métaphores là, il dit bah là pour créer confusion dans la tête, parce que j'ai un camion saucisse qui fait accident, et puis camion saucisse a volé, et puis un saucisse qui tombe dans l'estomac ou femme aveugle. So what is this? Qui okay. Ça ça y est exactement? Mais on sait c'est tombé là l'histoire qu'on fait avec, il fait avec la prince sur ça le gambel, les où il ba il dit mon dieu si tout le monde va mourir mais chauffeur mourir. Tu vois. Ça va qui déconne quelque part. Tu vois donc monsieur vous mais c'est extraordinaire tu vois. Donc moi c'est que couper de l'eau lui-même c'est toute une histoire et puis couper de l'eau en termes de rayonnement sur le plan international et là fait musique dansante quand même après ta bongo boum envie de couper de l'eau. Bon, il a pratiquement envahi le continent africain. Oui, définitivement. Il a été le seul à le faire. C'est clair, tu as été en Afrique, j'y étais également. Moi-même, à l'aise pour le monde que l'on parlait de musique haïtienne en Afrique. Premier venu à ce coupé de l'Ouïe. Non, définitivement. Et de non-voix coupé de l'Ouïe, c'est pas haïtien qui t'es balé. C'est après sa tournée africaine que bah, M. Non-Wa, c'est pas nous-mêmes qui balle Non-Wa. So, après documentaire qu'on fait, ce qu'on passe direct de façon générale. Ou pas te mettre en prise sous coupe et clou. Pas mettre en prise sous coupe et clou. Est-ce que c'était voulu? Oui, c'était voulu, ça je dis. Okay. Parce que le monde qui était capable de couper de clou, on balde. Naturellement, il a passé sous coupe de clou. Le documentaire, là, côté a parlé de le lambi. Ça veut dire, il a parlé de coupe de clou. Parce que coupe de clou, c'est un monde qui était marqué le lambi. Coupe de clou était conduit le lambi le lundi soir, quand même, full. Je te jure. Tu vois, le lundi soir. Le lundi soir, tu vois. Donc, il a passé sous lui. Mais au même titre qu'il a passé sous lui. Ma tournée d'aller, Au même titre que vous passez sous Septembre, au même titre que vous passez sous Tropicana, je vois. Mais nous pas arrêté sous yo. Parce que moi-même, c'est par exemple, Septembre est plus vieux que le compas. Non. Et donc, 17 ans, son jazz compas, c'est déjà. On connaît son. Pourquoi j'aime qu'à aller? Ça fait 6 heures de temps. Nous allons aller là? Bien sûr. Ok, mais qui sait pourquoi aller là? Vidi. Monsieur, Ok. C'est pas de mauvaise foi. Ok. Non, ça veut dire n'a pas les. Sob dit mal à Sob dit mal. Mais tout à fait. Son émission Frenchy. Frenchy alors, tu vois. Donc, je t'ai dit là, t'as coupé Septembre Tropicana. Septembre est plus vieux que le compas quand même. Oui, mais Septembre ne jouait pas du compas avant. Non, mais les pas de gage au compas, c'est pas les qui inventent le compas. Ça veut dire Septembre, n'importe 10 ans, 15 ans avant le compas. Ouais. Parce que tu vois, le compas a 62 ans, Septembre, fait 70 ans, quoi. Donc ça veut dire Septembre, c'est 8 ans avant le compas. Ça veut dire que Septembre, au départ, tu as même approche qu'on groupe tant que le jazz des jeunes. D'ailleurs, soit peut-être de série de musique Septembre, on sent une influence cubaine très présent. Et même là, on de Boléo, où j'ai collé la vinchette avec Tropicana, on sent une influence en tout. Et moi-même, la peut-être de Septembre, fait me songer un groupe dans le Bonavista Social Club. Tu vois, qui sont un groupe de Cubains, Ibrahim Ferrer, Ruben Gonzalez, équipe ça. Okay. Donc, nous sommes plus vieux que le compas. C'est évident que au fur et à mesure, et Tropicana a commencé à venir jouer compas, à mon avis, zone 78, avec des musiques de Colombo, Maléré. Parce que tu reprends Superstition, tout ça, mais album avant, qui gagne Tidadi, ou on prend ou bien qui gagne la coula, c'est pas compas. Ou bien. Parce que l'homme malheur, c'était qu'on parlait. Oui, bon, après. C'est mal là, t'es bizarre. Oui, c'est mal là, bizarre, mais approche rythmique, là, tu vois. Groove là, les mélodiques là, rappelez compas, tu vois, le gain rythmique, compas. Mais là, on dit t'as coup Tidadi, ou bien on prend Tifi à lever Septembre. Parce que c'est pas compas direct. Moi, je dis que Septembre vient d'être dans le compas en 85 avec album témoignage. Justement, c'est ton smash hit, ils font hit énorme. Et pour moi, c'est pivier musique Septembre, j'aime bien la carrière. Musique qui pauvre, l'on prend répertoire Septembre, mon cher. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. L'on prend répertoire Septembre, par contre, si on a bien chassé, on dit Septembre, on a parlé là. Bien sûr, mais mon cher, la musique Septembre, que les Tifi a levé, et que classe jouer avec un pile brio, et son musique sérieux, mon cher, répertoire Septembre, musique Septembre douce, la frime. Ça, c'est pas compas direct lié.
Tu vois, donc, c'est ça, nous, les vérités sous tambour. Il y a un peu de bagage tout pour nous connaître. Il y a certaines choses, il y a certains éléments qui définissent le compas en tant que rite. Et il y a une série d'instruments qui sont presque indispensables pour parler de compas direct, bien entendu.